offre une belle transition Elton puisqu'on va parler d'une autre équipe fragile, une équipe qui a concédé la défaite ce dimanche à Bollard. Alors ça arrivera à d'autres équipes cette saison, on va rassurer les supporters marseillais. Il n'empêche que la défaite de l'OM fait mal aujourd'hui parce que Marseille continue sur sa lancée assez médiocre, seulement deux points pris à l'extérieur cette saison. C'est assez alarmant, mais surtout au classement, l'OM est dixième, à sept points de la quatrième place et de Lille. Alors certes il y a un match en moins, mais... Est-ce que c'est l'heure de s'inquiéter pour, pour cet OM? L'Olympique de Marseille a six points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, dernier de Ligue 1. Ouais. On peut aussi le voir comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et même sur bah, la période récente, l'Olympique de Marseille a pris six points, sur autant que l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, la sonnette d'alarme est tirée parce que ce n'est pas en adéquation avec l'objectif initial, le podium de Ligue 1. On aura beau se dire. Oui, ok, euh, les points à rattraper ne sont pas insurmontables et les faits sont études. Tu es sur une dynamique qui n'est vraiment pas bonne, tu es sur une incapacité chronique à marquer. Je veux ah. dire, par là, le dernier but marseillais remonte au 8 octobre et Ismail Assar à 84e minute contre Le Havre. Donc euh, moi, je veux bien qu'on ait euh, cette méthode couée qui consiste à dire qu'à un moment donné, ça va venir du côté de l'Olympique de Marseille, sauf que la concurrence aussi travaille. Ouais. Parce que Lance, au mois d'août, était euh, reléguable, aujourd'hui, Lance est, est aux porte du top 5. Donc euh, pour revenir à l'Olympique de Marseille, c'est dans la continuité de ce qu'on voit, une équipe qui est fragile, une équipe qui ne manque pas de volonté, au bout d'un moment, c'est surtout un problème footballistique. Tu as une incapacité à créer des occasions qui devient alarmante. Ouais. On est sur la pire attaque olympienne à ce stade de la saison depuis la saison 2016-2017. Et oui. ça, ce n'est pas quelque chose qu'on avait forcément prévu quand on nous a présenté l'escouade offensive l'été dernier avec un mercato qui était censé être qualitatif. C'était censé être un pas en avant. Il n'en est rien au mois de novembre. Alors, comment tu expliques cette stérilité offensive de Marseille Effectivement, 12 buts seulement cette saison en Ligue 1. Euh, Ismaël Assar. Qui hier a fait un match très compliqué, qui est le meilleur buteur en Ligue 1 avec trois buts, euh, Vitinha deux petits buts et puis euh, Aubameyang et Njai, euh, qui n'ont marqué qu'une fois. Je ne parle même pas de coréa et de Harit qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. Pourquoi, pourquoi l'OM galère autant à marquer en fait tout simplement et à se créer des occasions même? Ah déjà, bah, comme l'a relevé Gennaro Gattuso, il y a un déficit technique qui est quand même très compliqué parce que on sait que l'an, c'est davantage offensivement qu'ils ont pêché sur ce début de saison. Ouais. Par contre, il faut se réveiller pour aller euh, faire mal à Medina, faire mal à Danso, faire mal à Gradi qui a encore fait ah un ouais. grand match. Et quand tu as un déficit technique, que tu as un déficit de créativité, et qu'à côté de ça, tu as une impatience, parce que moi, j'ai trouvé l'OM par moment très vertical et peut-être même, peut même pro-vertical au moment okay. d'attaquer la à, à défense lançoise. Ça manque de méthodologie, ça manque de patience pour justement contourner le bloc adverse. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent, parce que, OK, ça gagne 2 0 contre la Athènes, mais on avait déjà entrevu ces euh, problématiques. Contre Nice, c'était la même chose. Et contre Nice, c'était Dante, Todibo, Ngyashimé. Parce que l'Olympique de Marseille joue de ma chance, ça affronte quand même des animations défensives qui sont rodées. Ouais. Et ça met en lumière toutes tes carences, tous tes déficits structurels.